Bonjour, c'est Steph de Flow Motion Golf. J'ai vraiment pas pu résister de vous faire cette vidéo en direct de la plage en face du Flow Motion Learning Center de la Palmière à côté de Royan. C'est juste magique. Rien que le bruit, c'est magique. Alors, je profite de cet instant magique pour vous poser une question. Si je pose un cercle sur le sol, il va toujours reposer. Si je pose un cercle sur une tangente, donc sur une horizontale, il va toujours reposer sur ce qu'on appelle le point le plus bas du cercle. Votre arc de swing forme plutôt un cercle. Est-ce que vous savez me dire, en relation maintenant avec la position de la balle, où se trouve le point le plus bas de votre arc de swing, donc de votre cercle qui formera votre arc de swing? Je vous laisse réfléchir une seconde là-dessus. Je sais que ce n'est pas toujours évident. D'expérience, la plupart d'entre vous pensent que c'est juste un point au niveau de la balle. Certains autres pensent même que c'est un tout petit peu avant. Et vous allez voir, et j'espère que ça va vous aider, la réalité, c'est que le point le plus bas du cercle se trouve quelques 14 cm après la balle. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'école, en CM2, on avait fait des exercices pour la géométrie du cercle, pour trouver comment on calculait le point bas d'un cercle. Et voici comment on fait. Prends un cercle. Je vais tracer la tangente. Maintenant, un point au milieu du cercle. Je ne sais pas si je suis au milieu, mais voilà, au milieu du cercle. Et à 90 degrés du centre, je trace un rayon qui, obligatoirement maintenant, me donne ce qu'on appelle le point le plus bas du cercle. Si vous mettez le joueur à l'intérieur, il y a deux possibilités. J'ai deux rayons à 90 degrés de moi. Le rayon formé par le bras droit ou par le bras gauche. À l'évidence, ça ne peut pas être ce rayon-là qui est le plus bas par rapport à mon point, par rapport à la tangente. C'est une évidence. Donc j'élimine de fait le bras droit. Et je me retrouve avec le point le plus bas du cercle, juste en face de la jointure humérus omoplate ici. Ça veut dire que ma balle va se trouver quelque part en face de mon sternum, juste ici, et que lorsque je vais toucher la balle, c'est maintenant la raison pour laquelle vous comprenez pourquoi vos enseignants vous disent « l'angle d'attaque, l'angle d'attaque ». Bien sûr que c'est important parce que finalement, on vient toucher la balle ici dans son arc descendant. Et une fois qu'on a touché la balle ici en descendant, on n'a pas encore fini le boulot. Le club devrait encore aller chercher un point encore un petit peu plus bas. Et voici ce qu'on pourrait faire maintenant. Tracer une ligne. Je fais cet exercice assez souvent avec mes élèves. Et voici ce que je peux constater le plus souvent. Donc la ligne, là, n'est pas pour représenter le point le plus bas, mais simplement, on va dire, la position de la balle. Donc dans la logique des choses, je devrais pouvoir toucher la balle et aller chercher le point le plus bas. 99 fois sur 100, quand je demande à mes élèves de faire cet exercice, voici ce qui se passe. Et là, vous voyez bien où le club rentre par rapport à la balle. La fois d'après, plus rien du tout. Vous imaginez maintenant que cette balle, c'est un joli top. Donc vous imaginez, vous faites deux fois, trois fois, quatre fois comme ça, des contacts inconsistants pour arriver peut-être à la quatrième, carrément de l'autre côté. Et cette inconsistance au niveau de vos coups, c'est ce qui vous donne l'irrégularité sur le parcours. Et c'est la raison probablement pour laquelle, au practice, vous êtes plutôt pas mal. Et sur le parcours, ça devient un cauchemar. Simplement parce que vous n'avez pas encore bien pris conscience de l'endroit où le club tombe régulièrement par rapport à votre cercle à vous. Alors voici ce que je vous propose pour éliminer tous les parasites. La première chose, si ça c'est le point le plus bas du cercle, bien identifié donc en 14 cm après la balle. Première question, à votre avis, votre poids de corps devrait-il se situer plutôt
à droite ou plutôt à gauche. À l'évidence, si votre poids de corps se trouve à gauche, vous avez toutes les chances que le club touche un point qui est du côté gauche de la balle. C'est ce qu'on cherche. Donc la première chose qu'il faut que vous gardiez en tête, poids à gauche. Et je peux vous donner un petit truc simple, si vous vous souvenez de ça. Pied gauche, pied droit, finish. Au passage, vous aurez votre poids à gauche, ça va marcher tout seul. Deuxième chose, il est probable que malgré le fait que vous ayez votre poids à gauche, vous arrivez quand même à toucher bien plus tôt, bien trop tôt, malgré le fait que vous soyez à gauche. La raison, parce qu'il y a une raison, c'est que vous êtes en train, inconsciemment ou consciemment, de faire ce qu'on appelle un désarmement de la main droite, du poignet droit. Vous êtes attiré par la balle, vous voyez la balle là, vous voulez aller la chercher et vous faites ça. Vous voyez ce petit mouvement là? Et c'est un mouvement qui est parasite, vous ne pouvez même pas imaginer. La clé, même si elle fait, moi elle me fait toujours sourire, restez sur la queue de la vache, relâchez complètement, ici on est complètement hors de contrôle. Vous allez utiliser le pied gauche pour lancer la queue de la vache vers l'arrière, puis le pied droit pour lancer la queue de la vache vers l'avant, le finish vers l'océan, c'est juste magnifique. Regardez où le résultat de la queue de la vache, c'est dingo. C'est juste dingo. S'il y a une balle ici, ça fait balle, contact, au revoir balle, puis ça descend encore dans le sable, et ici ça commence. En fait, le point le plus bas du cercle se trouve quelque part ici au moment où ça remonte, ça ressort pas du divo, ça remonte du divo. Et c'est fou complètement, parce que cette queue de vache, associé à pied gauche, pied droit, encore une fois pour le fun. Allez, c'est parti. Yahoo! And finish. I am the ball. I am the ocean. Venez nous retrouver à la Palmyre. C'est trop fun, c'est trop sympa. On pense à vous. Salut, salut. Alors, si vous aussi, vous voulez libérer votre swing inné et devenir efficace en perdant complètement le contrôle, vous avez vu, c'est juste hallucinant d'efficacité. Je vous ai préparé une série de 4 vidéos gratuites qui vont vous donner un accès à ma nouvelle formation en ligne « Libérez votre swing inné ». Et j'espère que la promotion que je suis en train de faire en ce moment sera encore d'actualité. Alors, cliquez sur le lien et on se retrouve très très vite. Restez heureux, jouez bien, à bientôt.